Voilà, cette journée mondiale d'Alzheimer, on en parle en musique puisque c'est aussi nécessaire pour lutter contre cette maladie. Bonsoir Louise Eklande. Un gala de bienfaisance se tient en ce moment même à Paris. Vous êtes à l'Opéra Comique et vous êtes en très bonne compagnie. Ah oui, avec ma compatriote Petula Clark. Oui, extraordinaire. Comment ça va? Bien. Bien, bien, bien. Ce théâtre est extraordinaire. C'est une soirée fantastique d'ailleurs. Génial. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord pourquoi vous avez choisi d'être là ce soir et pourquoi c'était important pour vous? D'abord, on m'avait demandé, mais souvent on me demande de faire les choses et je suis obligée de dire non parce que je ne suis pas là. Mais heureusement, j'ai pu dire oui parce que je suis à Paris pour enregistrer un nouveau disque, comme une nouvelle chanson, et je suis ravie que j'ai pu dire oui. Je suis tellement contente d'être ici avec tous les copains et la belle musique et pour a good cause, une bonne cause. Une bonne cause, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi d'offrir à votre public ce soir? Vous venez juste de sortir de la scène, donc il faut qu'on raconte un peu à nos téléspectateurs ce qui vient de se passer. J'ai chanté un peu de Gershwin, George Gershwin, that I love, you know. J'ai joué au piano, j'ai chanté. Et puis Downtown, bien sûr, que j'aime toujours. Et puis une chanson de Serge Gainsbourg, Lagadou, que j'ai chanté avec Nolwenn Leroy, que j'adore. Une fille merveilleuse. Deux générations ensemble. Oui, absolument, oui. Mais c'est la deuxième fois qu'on chante ensemble. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même une image, on peut dire qu'on pense que l'Alzheimer est, comment dire, lié à la vieillesse, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés aussi. Absolument. Moi, je croyais aussi que c'était une maladie de vieux, mais en fait, non. Malheureusement, ça peut nous attendre tous. Et c'est vraiment très, très difficile comme maladie pour tout le monde, pour la famille autour, c'est vraiment dur. Alors, il faut faire ce qu'on peut. Voilà, exactement. Écoutez, on est là pour la bonne cause et on a chanté, surtout Petula a chanté. Moi, j'ai chanté très fort dans les coulisses. On va écouter un petit morceau de Downtown tout de suite. C'est parti? D'accord. OK, c'est parti. Maybe you know some little places to go to where they never close. Well, just listen to the rhythm of the head possible. You can ask him with a tool before the night is over. Les souvenirs extraordinaires. Oui, et on peut vous voir. Qui vit toujours, elle est fantastique cette chanson. J'adore cette chanson. Oui. On peut vous voir donc à Paris, donc c'est le 7 novembre avec des vieilles chansons, mais les nouvelles aussi. Au Casino de Paris. Voilà, c'est noté, j'espère. Ouais, c'est noté, Louise, évidemment, sans faute. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous retrouvera peut-être tout à l'heure en compagnie d'autres artistes, qui sait. Merci.